Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le retour après plus d'une dizaine de jours d'arrêt. Arrêt de streaming, arrêt de travail. Et donc on va repartir sur Elden Ring évidemment. Il y avait des choses à terminer. À la base je voulais streamer plus tôt, mais la brique brucieuse a frappé terriblement. Donc voilà, alors. Exactement où est-ce qu'on en était. Je devais revisiter nos crons, certaines zones qui me permettent d'avoir un certain objet, pour ouvrir une certaine porte et accéder à une certaine quête. Après, le stream risque de pas durer trop tard non plus. Mais comme j'ai dormi toute l'après-midi, je dis, ça faisait depuis hier que je voulais reprendre les streams, mais pas eu l'occasion hier. J'ai pas eu la possibilité surtout. Alors, donc, en fait, il y a une zone ici. Je dois revisiter en fait toute cette zone, j'ai loupé un truc. Obligatoirement. Merde, j'ai oublié un truc, je reviens. De toute façon, si on peut tout éviter, pense que. Mais il me semble que j'avais fait vraiment la zone, mais je pense que j'ai dû passer à côté de quelque chose. On va faire un peu plus attention cette fois. Passage là. Ben voilà, c'est ça que j'ai pas fait. Alors. Et ensuite. Elle est là. On peut sauter là. Pour la science, hein. Et ensuite. Alors je peux sauter en face, visiblement. Mais c'est la mort qui m'attend là. Là y a rien.
Sanctuaire de la nuit, d'accord. Ben, on va y aller. Des boulettes. Oh, qui c'est qui me... C'est toi là-bas? L'arme d'argent, ok. Un combat à distance. Tu me casses les couilles, cannabis. Il y a d'autres choses à apprendre ici, peut-être. Voilà. Un truc en face. Oup, 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 oup. C'était dangereux. Un truc en face. Rose et Céleste. On trouve plein nos cons. Je sais même plus à quoi ça sert. Et en face. Encore aller en face là. Oh my chozo! C'est quoi my chozo? Salut Kuro! Le retour de l'homme champignon. Il est où? Il est mort? Il est tombé tout seul? Quel idiot. Mais non. Bah ben, si. Regarde, il est là. La femme champignon même d'ailleurs. Mais chorizo. Oh my chorizo. Non, je l'ai pas. Comment ça va? Beaucoup trop fort pour la zone, donc c'est quelque chose que j'ai zappé, que j'aurais dû faire il y a longtemps. Donc je vais globalement rouler sur... Je devrais normalement, si tout va bien, rouler sur... Pas enfin, si. Mycose. Oh putain. Ah ouais, non, j'y étais pas du tout là. C'est qui que tu traites de mycose là? On va pouvoir descendre ici en fait. C'est pas une zone que j'ai visitée. Ah, non. N'abuse, n'abuse pas quand même, n'abuse pas. Hein? Ok, bonne saloperie. On va pouvoir descendre quelque part ici. Peut-être par là.
Ça me semble haut, hein. Ah, c'est trop. Et là, c'est pas trop haut. Regarde une boule magique. J'adore le combat à distance. C'est très bon pour la santé. Mais non, mais... Ah. Easy ce jeu. Non, mais il bouge aussi, hein. De toute façon, on l'aura plus tard, mais... Lame d'affûtage noir, je sais pas ce que c'est. Je crois qu'il est en train de monter, Roger. Je vais me faire. Il va me taper. Ça va être de sélectionner d'autres affinités d'armes. Ok. Juste pour les améliorations. Ah bah voilà. Salut Roger! Ah, il y a un brouillard avec des clés. Et lames de pierre. Okay. Ouh, il y avait que ça ici. Qu'est-ce que tu fais de beau ce soir, quoi? Ah mais oui, t'es avec le Game Boy. Si je vais là, est-ce que je peux revenir? Comment je vais en face? Par l'autre côté. C'est vrai qu'on peut passer par la fenêtre du milieu. La fenêtre du milieu là. Je vais juste faire un cucu, Big Bro, my Big Bro, on doit regarder la longue fin de Stranger Things. Des bisous, bon Stranger Things à toi. La fin. La saison est vraiment excellente. J'ai vraiment beaucoup aimé. Des bisous à Tima, évidemment. Et des bisous à Litchi. Et à Lily. Mais d'abord au litchi. On adore le litchi. Regarde si tu es encore là avant de partir. Une amie. Bonjour. Bonjour. Oh oui. Bisous de elle, bisous Nami, des bisous de Nami. C'est méchant. C'est méchant. Donc combien? Ils aiment bien nous mettre des pièges un peu partout. Et bisous. Et merci d'être passé. À bientôt. Prendre de l'arme imitatrice. Bien. Et ici, donc, pierre de forge 3. Super. C'est quoi les cendres là? Prendre derrière invoquer l'esprit d'une larme imitatrice. Ah, ça peut être sympa. Combien de PC? 82. Là, je peux pas utiliser. Ah, mais ça utilise 0 PC, ça.
Hey, coucou Senpai! Comment ça va? J'ai pas vu en stream aujourd'hui. Mais ça coûte 0 PC. Faudrait que je l'équipe quelque part, éventuellement. Comment je fais pour le retirer là? Bon, on peut pas. Bah, écoute, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. J'ai encore la gorge qui est un peu prise, mais globalement, ça va. Je suis en état de streamer, je suis en état de faire plein de choses. Donc, je me porte pas trop mal. On est obligé de descendre comme ça là. J'aimerais bien aller en face. Comment je fais pour aller en face? Mais il y a une échelle. Non, ça c'est. Non, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Pas de mur caché. J'étais malade, c'est pour ça que je t'ai pas vu récemment. Ouais, j'étais un peu pas bien. Bah, la dernière fois que j'ai streamé, ouais, j'ai eu un sale week-end il y a 10 jours. Et ça m'a pris toute la semaine. Quasiment. J'ai un peu enchaîné les petites emmerdes. On y va. Qu'est-ce que c'est? C'est dégueulasse. Donc voilà. Donc là, il me reste juste un peu de mal à la gorge, mais rien de grave. Donc ça va. Je vais aller en. Je vais remonter moi maintenant. Hein. Va falloir me faire monter le jeu. C'est quoi ça? On dirait un ascenseur? Non? Bizarre comment c'est fait. Il y a un mur caché quelque part dans le coin. Et toi alors, comment ça se passe sur Bloodborne? Ah, salut. Oh. Je vais te calmer direct. Quoi comme talisman là? Oui, c'est bon. Il y a 26 degrés ici. Mais non, moi je. Là, il y a un truc qui est pas bien là. J'ai zappé un truc, non? Et là, je voulais récupérer l'objet là, et je peux pas. Donc après ça redescend, donc on remonte pas. Donc est-ce que j'ai peut-être loupé un passage sur les toits. Faudra que j'y retourne. Joli comité d'accueil ici. Mais en vrai, Bloodborne, j'ai vraiment envie d'y jouer, mais j'espère qu'ils feront un remaster bientôt. J'ai terminé ma run, j'ai eu Laurence hier soir. Tu peux me parler de ce que tu veux sur le jeu, de tous les boss que tu veux, j'en aurai aucune idée. Donc Laurence, Ludwig, Pierre-Paul Jacques. Si, je connais le Père Gascogne, parce que j'ai souvent vu des streams et des joueurs galérer sur le Père Gascogne. Il a une sale P2, je crois, quand il se transforme en espèce de loup, je sais pas quoi. Il devient super tanky, il tape deux fois ou trois fois plus fort. Donc j'ai vu beaucoup de joueurs se casser les dents dessus. Et donc je connais le Père Gascogne dans son cimetière. Mais à part ça, je connais rien. Prochaine run, ce sera au gun avec une fille nommée Calamity, mais c'est pas pour tout de suite. Laurence, boss option du DLC, hyper chaud en mode.
En mode Midir DS3. C'est qui Midir? Alors Dark Souls 3, je crois que je l'ai fait qu'une fois. Et je m'en souviens plus du tout. Je voulais le refaire d'ailleurs. Je voulais refaire tellement de jeux. Je voulais refaire Dark Souls 3, je voulais faire Nioh. Ah, c'est. Est-ce que. Non, mais il me faut 78 000. Ils sont hyper nombreux, mais ils sont normalement pas si casse-couilles que ça. Aïe. Ah oui, non, d'accord. Ok, il y a des imitatrices. Il y en a là-dedans, c'est des imitatrices. Et il y en a, c'est des simples machins. Ok. Mais vas-y. J'ai esquivé son coup en mettant un coup. Génial, j'adore faire ça. Oh non! Pas loupé un truc derrière. Et du coup, tu vas faire quoi? Wouah! T'avais pas vu venir. Bac à PV. C'est un KPV qui fait mal. Hein. Bien vu de Sekiro. Oh. Vraiment, Sekiro, je me suis arrêté à la fin, mais. Qu'est-ce que j'en ai chié? J'ai vraiment pas du tout aimé. J'ai jamais fini le jeu, mais je le finirai probablement jamais. Ça c'est la mort. J'ai toujours Elden encore ainsi que FF7. Ok. Ça va, t'as de quoi faire. Hein. Et t'as toujours The Messenger aussi? Bon, moi ça me trigger de ne pas avoir réussi à choper l'objet au-dessus, hein. On y retournera après. Hein. Il y a un TP ici. Hop. Bon, le TP on le prendra en dernier. Où ça? Ça sent le piège, non? Non. Lame digicide. Grand muguet fantomatique. Ça, je pense que c'est les dernières upgrades. J'en ai déjà trouvé un.
T'as plus les. T'as les muguets fantomatiques 1, 2, 3, 4 avec des numéros. Et t'as les grands muguets. C'est le deuxième que je trouve. Donc ça doit être pour l'upgrade de fin. Pour upgrade tes stands de guerre. Messenger finit avec une extension gratuite aussi qui est géniale. Ok, donc là il y a le TP. On va prendre le TP, mais on reviendra ici. Hein. C'est quel truc que je. Sanctuaire de la nuit. Faudra que je revienne au sanctuaire de la nuit. Il y a un truc que j'ai zappé. Bon. Où est-ce que ça nous en. Non, 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 non. On va refaire le sanctuaire de la nuit tout de suite parce que j'ai 79 000. Il me faut 78 000 pour level up. Donc on va éviter de balader avec des runes. Qu'est-ce qu'on va augmenter? C'était pas ici du coup. C'était bois ancestraux? Non, ça c'est la bierge. L'arme imitation. Bois ancestraux, c'est peut-être ça. Un truc en bas. Hop, par ici. Par ici, par ici. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là-haut, j'ai été récupéré et après, il n'y a plus rien. Ah, peut-être qu'en fait, j'ai. Si, en fait, j'ai été. Enfin, j'ai été, j'ai même failli tomber comme ça. Aïe 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 aïe. Je peux l'arrière, tu fais chaud. Ouais, non, il fait plus chaud. Faut que je l'enlève. Profiter pour l'enlever maintenant, tiens. Enfin, il fait toujours chaud, mais beaucoup moins qu'avant. Comme ça. Il fait toujours chaud, mais c'est acceptable. Hein. Il fait 25, genre, entre 25 et 30, on considère que c'est acceptable. Hein. Pas pourquoi j'ai pas couru. Là. Aïe. Et là, il n'y avait plus rien. D'accord. Il est tombé tout seul la dernière fois. Juste tout à l'heure. Voilà, bah voilà. Merci, hein. Et ici. Ah non, il y a vraiment rien. Hein. Ah, je me suis peut-être pas retourné ici sur la. Ici, genre, est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre? Non. On a évidemment rien. Je vérifie un peu de tout du coup. En face, on a rien. Le problème, il était pas là. Ouais, mais. Et cette fenêtre là. Oh, attends, je suis pas allé là.
Elle est là et ça ne mène nulle part. Très bien. Là, je suis allé et ça ne mène nulle part non plus. Je fais tout juste tout le tour. Là, c'est vraiment ici que ça se passe. C'est après, quand je suis tombé, que j'ai merdouillé. Comment on fait pour aller en face? Là, on voit bien qu'il y a l'ouverture. Au-dessus de ma tête. Comment je fais pour faire tout le tour? On va faire un tout le tour par ici. On dirait qu'on peut passer là sur le toit et continuer. Et comment je vais là-bas? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis allé voir un Kilus sur du Tales of. Oui, j'ai vu ce midi. Enfin, ce midi. Cet après-midi, il était sur le nouveau Tales of Arise. Pas le nouveau, le dernier. Ensuite, Gamer sur Ninja et FF9. Et je voulais faire un stream, mais t'as spawn et ça faisait un moment. Ah oh, putain! Bah ouais, mais faut pas t'empêcher de stream parce que les autres stream, hein. Mais oui, j'ai mis les lurks partout et je suis parti me coucher, c'était 15h, 15h30. Et j'étais complètement nage, je me suis réveillé à 19h30, hein, donc. Y'a pas une poutre de l'autre côté? Ah, à l'intérieur. Ben, il me semble pas. Là, on est d'accord, c'est le. Ouais, là c'est là où il y a le site de grâce, machin. Il n'y a pas un rebord sur lequel on peut s'appuyer. Il n'y a pas de rebord. Il y a un rebord au-dessus. On peut pas y aller. Il y a un rebord au-dessus, on dirait qu'on peut aller dessus et qui fait tout le long. Et je vois pas comment je monte. Laissez tomber de toute façon. Y a rien. Non, c'est juste que ça faisait un moment que je suis pas venu t'embêter sur Elden Ring. C'est très gentil. Ça fait pas, je suis promis et à dire qu'il faut pas se priver. Il y a Zert aussi, ça fait un moment que je suis pas allé le voir. Ouais, bah Zert, je suis à. Souvent, je passe le soir. Et je suis pas beaucoup de streamers qui stream le soir. Donc c'est vrai que bah, Zert, je suis régulièrement chez lui. J'ai vu qu'il avait lancé à peu près en même temps que moi et aussi sur Elden Ring. Il était chez lui aussi, n'hésite pas à lui faire un coucou. Là, j'y descends, mais je peux pas remonter. Hein. On va essayer de pull Roger là. Bon, lui là. J'ai pas envie de me battre avec lui en même temps que la roue, la boule. La boule, le combat est très compliqué, hein. On peut le voir. Oui, je commence par faire mes streams au même moment. Au même moment que qui, que quoi? Je vais pas rouler sur ton pote là? Non mais.
Ah bah si, il a roulé sur son pote. Mais oui, allez, monte à l'échelle, fais pas chier. Merci. C'est ici que j'ai loupé un truc. Alors peut-être que j'aurais pas dû... Mais je vois pas où est-ce que... De la fenêtre, où est-ce que j'aurais pu aller? Non, hein. Et ici on peut pas monter. De toute façon, je vais pas y passer 50 ans non plus, mais... De ce côté-là, c'est fermé, en fait. Et... Donc c'est forcément de ce côté-là, mais je vois pas comment on y accède. Pas de mur caché ici, j'ai tapé. Roger, on s'en fout. Et ici, il n'y a pas de plateforme, il n'y a rien. Bon, bah on va aller au TP, hein, on verra bien. Ah oui! Voyez, tirer quand même la grâce qui est juste là. Si jamais on meurt, ça nous fera moins de chemin à faire. Ça se trouve, c'est juste le TP qui va nous emmener au bon endroit, hein, parce que là, je vois pas. J'ai activé le truc? Je fais jamais de multi, mais j'active toujours les machins. Oui, il n'y avait que le coffre là-haut. Ouais, j'ai vers un autre endroit, c'est parti. Comment ça, c'est la fin de la zone? J'ai loupé un truc, hein. Tu finis par la trouver si tu cherches, c'est souvent où, là où on s'y attend pour trouver le bon chemin. Ouais, mais là par contre, je me suis fait baiser. Non, non, là clairement, j'ai loupé quelque chose. On est d'accord, j'ai loupé quelque chose. Toi qui as déjà fait ce morceau-là. Il m'a quasiment rattrapé Zers en termes de trucs. Ouais, refais un tour. Ouais. C'est la mort. Non, c'est pas dans ce coin-là. Qu'est-ce que j'ai loupé là? Parce qu'il y avait. C'est bizarre cette zone. On te donne 3-4 ennemis, un coffre et que dalle. Donc j'ai forcément loupé quelque chose. Vous allez vous calmer les gars.
Aïe. Aïe. Non, ouh, putain, il fait mal. Du coup, aveugle man, j'ai encore loupé. Là, toutes les fenêtres sont barrées. Y a pas un truc derrière. J'étais derrière. Ici, les fenêtres sont barrées aussi. Je vais recacher ici. Vous savez, on dirait les mobs phalanges de Demon Souls. Les mobs phalanges. De quoi? L'espèce de slim là? Ouais, les films noirs. J'ai pas fait Demon's Souls. J'avais commencé à l'époque sur PS3, mais je l'avais jamais. Enfin, j'avais fait que le début pour tester, et puis après j'ai arrêté de jouer à la console. Et après j'ai jamais repris, donc j'ai jamais fait Demon's Souls. Ici? Ah, c'est ici. Ouh. Teste le truc. Il n'y a rien jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose. Et non, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Ah, j'y ai cru, hein. Merde, j'ai bien souvenir d'être venu là. Moi aussi je suis venu là et puis. Non. J'entends un machin de l'autre côté. Oh putain, on. J'entends un truc là. Hey, coucou Zegé. Coucou gamer. Comment ça va? Comment s'est passé ton stream sur. Merde, c'était quoi? Ninja Gaiden et FF9. J'ai lancé le lurk, je suis parti me coucher. Je me suis réveillé, c'était 19h30. Et là, je cherche un truc que je trouve pas. Et je comprends pas où est-ce que. Je comprends pas.
Ou alors on y acc j'y accède par un autre endroit, mais ça me semble bizarre quand même. Là, tu fais une nouvelle zone, il n'y a même pas de boss ou de mini-boss, ni quoi que ce soit. Parce que ça, c'était rien du tout. Et j'ai loupé des choses. Bah, écoute, ça va très bien, je suis content de reprendre le streaming, après plus de 10 jours d'absence. C'est là? Oh putain, c'est là. Non, non, c'est pas là. Non, là, c'est la mort. Bon. Mais il y a un site de grâce ici, c'est pas possible qu'il y ait un site de grâce pour une si petite zone. C'est impossible. J'ai forcément loupé un truc. Écoute, oui, très bien passé Ninja Gaiden 3 et est en train de me faire regretter d'avoir tabassé son petit frère. Putain, à ce point-là? Et FF9 avance doucement, bientôt la fin du CD1. Ok. Alors ça se situe où le CD1 à peu près? Parce que... pas trop de souvenirs de FF9. Et par là, attends. Oh oui, roule-lui dessus, roule-lui dessus, roule-lui dessus! Non! Voilà, c'est très bien ça. Ah, ils sont deux. Allez, venez les copains. Et d'ailleurs, j'ai eu une nouvelle arme. Peut-être que je regarde ce que c'est. Aïe. C'était une espèce de... une dague... C'est ça? Non, c'était pas ça. Merde alors. C'est même plus ce que j'ai eu. C'est pas un talisman. Ça ressemblait pas à un talisman. Oui, non, c'était pas une dague, c'était ça. L'âne du trésor secret de la ville éternelle de con. C'est ça le truc qu'il me fallait. Ce fœtus m'a calé de sang à la preuve que les villages éternels se sont rendus coupables de haute trahison et symbolisent leur chute. Ne peut être pas nié par qui ne possède pas de destinée mais serait capable de nuire à la volonté suprême de ses vassaux. Ninja Gaiden 3, c'est dur. Putain. Mais tous les Ninja Gaiden, j'ai l'impression, sont durs. Là, je suis en chemin pour aller à Blue Messiah. D'accord, je situe à peu près. Ici, je pense qu'il faut persévérer la fouille. Genre en bas, là? Non, mais là, c'est pas bon vu que y a la pièce à côté. C'est pas ça. Je suis aveugle et je passe devant depuis tout à l'heure, c'est juste ça encore. Hein.
C'est ça en fait, le trésor de Nokron, tu l'as trouvé. D'accord. Et du coup, ça s'arrête là? Je crois que c'était ce qui était dans le coffre en plus. Hein. Mais par contre, je sais toujours pas comment obtenir l'objet qui est au-dessus là. Hein. Je vais y retourner. Oui. Peut-être que la suite c'est plus tard. Mais et du coup l'objet qu'on a vu qui est en face c'est plus tard aussi alors peut-être? En tout cas je suis content d'être venu pour trouver ce que j'avais besoin de trouver. On va pouvoir continuer. Mais c'était par là. Non, c'était pas par là. Bon, machin, il va se transformer, il va encore tomber tout seul. Car t'as jamais accès à toutes les zones souterraines depuis un point en général. Voilà, il est tombé, il est mort. Ok. Ah! Oups! Désolé. Un cri dans la nuit. Elles sont où, Irine? Non mais t'es casse-couille toi. C'était mieux quand tu tombais dans le vide tout seul. Non, 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 non. Ah. Mais à force de rouler partout, tu vas. Enfin, okay. Du coup, mes runes. Pourquoi elles sont là-bas? C'est pas là-bas que je suis mort. Enfin, le jeu. Bon, du coup. Du coup. Refaire une dernière tentative, mais sauter sur le toit ici pour avoir une meilleure vue en face. Ah, c'est même pas ça en fait. Je pensais que ça faisait le tour du bâtiment, mais c'est pas ça. Donc, vraiment pas par là qu'on. On passe. M'énerve. Non, parce que je suis quasiment sûr que c'est
par la fenêtre qui est en face là. On accède à l'objet ici, je suis quasiment sûr que c'est ça. Et comment on va de l'autre côté? Et où là? On arrive par ici en fait. Mais je sais pas passer par là. Bon, récupérer nos ruines et on va se casser. Donc là après, la suite c'est... On passe par la gauche ici. Non, ici c'est la mort. J'aurais pu. Et en face, c'est la mort aussi. Je sais pas pourquoi nos ruines elles ont atterri là-bas. Ah, ici je suis mort. Allez Roger, crève tout seul. Voilà. Hop, alors, du coup, ensuite, on devait aller. Je crois. Hein. On devrait trouver un objet dans un cercueil derrière. Si on ne m'a pas menti. Si j'ai suivi le bon cheminement. Ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est un échec. Peut-être parler à Rani maintenant avant. Peut-être que je parle à Rani avant. Elle est où? J'essaie d'avoir les PNJ concernés, car... Oui, c'est ça. Hop. Was thee, not blithe it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave, I shall ah oui, donne-moi un truc. Statue inversée de Caria. Ok. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps. But a rare sword. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent too for his part. You may leave now. It was but brief. What is it? I too am to depart on a journey. What is it? I too. Okay. Nous a... Merde. Non, 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 non. Ça a donné un truc. Clé révélant la véritable forme de la salle d'études de Caria. Ah, c'est le machin qui. Qu'il me fallait pour poser sur le piédestal. Du globe céleste, c'est ça. Ok, donc ça, je sais où aller maintenant. Mais du coup, en bas, j'ai rien toujours?
Tellement content pour toi, merci, très gentil. Tu m'as quand même beaucoup aiguillé sur ce point. Alors du coup, j'ai... Ah voilà! Et là maintenant j'ai le machin. Non, c'est pas ça. Rani miniature. Rani miniature? C'est quoi? Merde, j'ai pas vu dans quoi c'était. Elle est là. Poupée à l'effigie de Rani. Poupée inerte est agréablement fraîche ou tout. Super. Ben, faut pas jouer avec les poupées. Ok, donc là, je peux aller voir Renala. Ouvrir le coffre qui est à côté d'elle. C'est où? Il va me donner l'anneau du serment qui va me permettre de débloquer la porte qui est derrière Celle. Verrouillé, raté. Peut-être d'abord que je fasse le truc de carrière. Art thou now? Be not. I would birth. Alors, tour de carrière, elle est là. Pas sur une grâce. Ah! Je me repose, je veux dire. Ah, reposons-nous. J'aurais fait à un moment donné. Il se passe rien. Non. J'avais une option supplémentaire. Ben, not me. Peut-être que faut que je. Faut que j'y retourne, que je constate qu'elle est partie, peut-être. Grâce poupée. Utiliser la poupée à la grâce? Ah, il y a une grâce ici, voilà. Et je pense que maintenant, on va pouvoir. Non, on peut pas. Faut que je tourne par là. Blade qui est au château. Qui est toujours au château? Il est où Blade maintenant? Il est en bas? Il y avait Iji, je sais où le trouver. Il était là. En fait, quand j'ai trouvé la poupée, je vais m'en poser juste après. Mais moi j'ai rien. Non, j'ai rien. Iji, est-ce que tu vas me dire des trucs par hasard? Oh, there you are. Have you heard? Lady Rani has departed on her journey along the dark path of Imperium from Rena's Rise, as she calls it. It would not have been possible without you. As Lady Rani's war counselor, and moreover, her childhood warden,
I express my deepest gratitude. You and only you. My purpose? I've served Lady Rani for as long. It has been a long, and now Lady Rani is in your hands. I pray that you serve Lady Rani along the dark path of the Imperium. Depuis la tour de Reyna, ok. La tour de Reyna, c'est celle qui est juste au-dessus. On pensait une arme, mais je pense pas que je puisse. La tour de Reyna, elle est... c'est celle-là. J'avais pas réussi à l'ouvrir la dernière fois. La grâce à côté de la poupée. Ah, mais je pense. Tu crois que ça a une incidence de... sur quelle grâce tu te reposes? Pas sûr. Ah bah putain, si. Ah, ça dépend sur quelle grâce tu te reposes. Ok. Oui, parce qu'en fait, t'es censé trouver la miniature avant le site de grâce. Donc, dans l'ordre des choses, tu vas. Tu fais les choses dans cet ordre-là. Et elle ne me dit absolument rien. Oh. Ah. A dogged fellow, aren't we? Fallait insister. Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. J'ai déjà fait. Perform for me, eliminate the name of Rani the I will not. Ok. Perform for eliminate the bale the name of Rani the I will not. Et entre ces terres, c'est la. C'était. Merde, il est où? Là? C'est Astel? Peut-être que je lui parle ici? C'est pour ça que j'ai pas compris, t'as kill Astel et tu pouvais pas avancer. Bah oui. Donc maintenant que je lui... Peut-être que je lui parle ici. Maintenant que j'ai tué Astel... Ah bah non. Elle est pas là. On va tenter comme ça, mais 100% non. Au nom du serment, ouais. C'est ce qui me semblait. Bah j'ai tué le démon machin. Là, t'as la tour sablier et celle du côté de Rani. C'est ça. J'ai les deux à faire. Perform for me. Eliminate the baleful shadows which prowl the name of Rani. I will. Bon, on va essayer d'ouvrir d'ouvrir la tour ici. Au moins juste ouvrir la tour si on a une grâce ou quelque chose comme ça. Et après on fera la... alors c'est par où? C'est par là. Pas du tout, c'est de l'autre côté. C'est ce qui est juste en face en fait. Et là elle est ouverte. Ok. Je vais pas aller voir si c'est lui non plus. Je sais pas s'il me dit des trucs. Tour de Reyna, bonsoir. Et Blade, je sais plus du tout où est-ce que je vais le retrouver. Hein. D'objets sur les machins. Off.
la tenue de Rani. Je pense qu'elle est utile contre la congélation. Autrefois portée par la vieillarde recouverte de neige que rencontra la jeune Rani au cœur de la forêt, une sorcière experte dans l'art des sorcelleries de glace. On raconte que la poupée hébergeant l'âme de Rani aurait été réalisée à son époque. Elle n'a pas de bonus particulier. Et un TP. Êtes-vous ? Ça va nous amener à Nokron de l'autre côté ? Là où je voulais aller tout à l'heure ? Éventuellement ? Pas du tout. Pas... Tu ne m'aides pas beaucoup, Ranibis. Perform eliminate the name of Vywon. J'ai éliminé les machins sur ces terres là. Faudra que tu réexplores ce marais, Senpai, t'as loupé quelque chose. Pourquoi je comprends pas? Ouais. Est-ce que... Ça c'est en bas. Ça c'est en haut. Ça c'est en haut aussi. Peut-être qu'il faut que je... Je sais pas. Ici on peut lui parler. Let us speak of the past a while. I was once an Empyrean of the demigods. Only I, Mikala and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers as a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe in the form of a vassal tailored for an Imperium. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Imperium flesh. Casting it away, I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. I turned my back on the two. The baleful. Bon, mes affaires sont plus ou moins prêtes pour demain. Pourquoi il se passe quoi demain? Qu'est-ce que tu fais demain? Ok, donc je pense qu'en fait le truc c'est à chaque site de grâce faut lui reparler le long jusqu'à Astel. Voyage. Ah, t'es en vacances? Ouais, tu pars où? Voilà, c'est tard. En fait faut lui parler à chaque site de grâce et ça va débloquer tous les dialogues. Je vais en Suisse voir China et Lulith. Ah, ok. Lulith, je connais pas du tout, je sais pas qui c'est. Though he was created a vassal for an Imperium, he was a colossal failure on the part of the two fingers, Blythe and EG both. Art willing to give too much to me, yet they both understand what lieth beyond the dark path, that I must betray everything. And rid the world of what came before. Ah. Should I add thee to the list? Another one. Kind of heart. As kind of heart as they.
Je reviens lundi, je reprends ça le 18. D'accord. Donc, ouais, t'as 10 jours de vacances là en fait. Là, tu reprends le taf comme moi je pars en vacances. J'ai hâte d'y être. Miss l'état sur la club peut-être. Alors, ça me dit un truc, mais pas plus que ça en fait. This form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget what thou hast heard. Forget. Oh non, je... I've let slip. Forget. C'est la seule personne du groupe actuel que j'ai déjà vu IRL au lit. Ok. Ça va être sympa. Donc ensuite c'est ici. Elle habite pas très loin de Toulouse. Ah, elle habite pas en Suisse du coup? J'ai rien compris. Attends, j'ai loupé un message peut-être. Hein, je vais voir. Je vais en Suisse voir Shina et Lolith. Du coup. Il y a un truc que j'ai pas compris. Et ça va être cool, ça va me permettre de changer d'air, ouais. Ben, ça... Douche, bah ben, bonne douche à toi, Senpai, à tout à l'heure. Peut-être. Ça fait déjà 1h30, il est déjà 22h. En vrai, je suis pas fatigué. Ah, on peut pas parler à Rani ici. Ah, tu récupères Lolith. Ou elle te récupère, vous partez ensemble voir Shina. Ok, là c'est bon, j'ai connecté, tout, j'ai tout compris. J'ai dû voir Shina avec Lolith et pas et Lolith. Ah bah ouais, bah j'ai lu trop vite, j'ai lu de travers. Ouais, tu as raison. Tu sais encore ce que tu écris, c'est incroyable. ok, donc ici. On s'en fout. Comment on n'a pas de dialogue. On se rejoint à la gare. Ok. Ouais, j'ai vu. Incroyable comment on se rappelle bien de ce qu'on écrit juste deux secondes avant. J'avais pris là, on avait fait blablabla et du coup, merde, où hop, j'ai encore toute ma tête, ouais, moi j'ai pas de mémoire et je sais pas lire. Et là, on va avoir un dialogue avec Rani, pas du tout. Je me souviens plus de ce que j'écris que de ce que je dis. Ah, ça... Vous pouvez pas continuer sans anneau du serment. Elle me parle plus. Elle boude. Toujours coincé, hein. Il y a pas d'autre... D'autre... Pas certain qu'on puisse y aller dans cette zone-là. Je pense même que non. Par contre, il y a une zone, je suis sûr qu'on peut y aller, c'est ici, là, sur ce petit bout de carte. Je n'ai toujours pas trouvé. C'est absolument... je suis sûr qu'il y a un autre chemin ici. Et je n'ai pas trouvé. Bon.
Bon, on va avancer sur autre chose. En attendant, trouver des réponses à nos questions. Tu vas dans quel coin de la Suisse alors? C'est pas indiscret. Tu peux la retirer. Et exactement la même chose dans l'autre sens. Ok, non, bah on va la laisser. Je sais pas pourquoi ils nous permettent de la retirer, c'est bizarre. Et donc on va faire la suite. Et par là. Ah! 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 Alors. Là, c'est la mort. Hein. Ah, peut-être pas. Ah non, c'est pas la mort, mais c'est la casse-gueulerie. C'est pas la mort, mais ça y ressemble quand même. Ah, ça y ressemblait. Ça ressemblait tellement que ça l'était. Évidemment, il faut que je redescende là. Même 25 000 runes. Maintenant. Chargement pour rien. Ouais, mais comment je fais moi maintenant? Je veux bien, mais. Là, je peux pas sauter là, moi. En face. Je n'ai pas la. Attends. Idiot en fait, ça. Ah oui, je suis idiot. Salut. Ah oui. Ah oui, ça one shot. J'adore one shotter. Ah non, pas toi, Préceptrice Myriam. Je vais pas les précepter ailleurs, non? Enfin. Je peux pas tomber dans le vide, m'arrangerai.
ou être bloqué. Alors ça, ça m'arrange encore mieux. Oh non, reviens, Myriam. Et c'était PU. Il me tire dessus, hein. Elle est où? Elle est de l'autre côté là-bas, mais va te faire. Ok. Donc en fait, faudrait que je... Ah, je peux pas tomber là. Ah, faut que je tombe là, le long. Ah non, faut que je tombe de l'autre côté. Oh, il y a des mains pleines de doigts. Non, pop, 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 pop. On peut tomber. Elle est où? On peut pas la voir là. Aïe! Putain, le petit one shot d'Emma, il fait tellement plaisir. Je crois pas, il y avait un il y avait des ennemis ici et un objet de l'autre côté. Masque de confiance. Là, lorsque Radagon prit Rhaenyra pour épouse, il décréta que les préceptes en magie de Caria devaient porter ce masque pour bien faire comprendre qu'ils étaient tenus au secret absolu. Ah, elle est juste là. Elle tire où là? Elle tire sur qui? Ah, elle m'a trouvé. Voilà. Lucidité. Super, une magie que je n'utiliserai jamais. Après le sommeil, la démence accumulée. Ah, c'est par contre. Ok, donc là, je dirais qu'il n'y a absolument rien. C'était pas fait exprès du tout cette esquive. Et c'était ultra stylé. Hop! Pas de mur. Okay. Et donc la suite ce serait en bas ici.
peut se laisser tomber sur les chandeliers là. Y'a pas de. Pas d'objet à récupérer. S'il n'y a pas d'objet, ça sert à rien. Tomber comme ça. On va juste laisser tomber. Il n'y avait pas des rats sur les. Hein, c'était sur les poutres qu'il y avait les rats, mais du coup ils sont à l'envers. Ils sont toujours là. Calme. En fait, je fais le tour, mais il n'y a rien. Je vais essayer de tomber sur les poutres. Et j'adore les poutres. Là, il y a l'objet. L'échelle. L'échelle qui marche dans l'autre sens. Là il y a un bouton, ben. Ben, une échelle ici. Quoi? Ah, c'est la mort. Et là on descend. Je vais te laisser, je vais passer en l'heure que je vais mater un film avec la maman. Ça marche, ben bon film à toi. Des bisous, merci d'être passé. Merci pour le lurk. Et à très bientôt, ben passe un bon séjour en Suisse alors. Amusez-vous bien. Il se passe absolument rien à part en face. C'est vrai que c'est très bizarre d'ouvrir la porte à l'envers comme ça. Ah! Ça sent le froid. Ah non, on est juste dehors. Je pensais que on arrivait dans une zone de congélation. Bon. Il va y avoir un boss là-dedans ou pas? Ah, salut. Et tu es dégueulasse. Oh, tu vas très vite par contre. Reviens. Oh. Ah. Wow. Oh, il fait mal.
Ça va, ouais? Non mais, ça suffit? Aïe. Il avait 2 HP quoi. Mais j'ai été tellement greedy. Je roule les boulets quoi. Aïe. Oh putain non. Non, j'ai roulé trop tôt. Oh putain, il fait tellement mal avec son coup. Mais... Oh mais... Je vois rien. Stop. Et ça. Non, 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 putain, mais laisse-moi rouler.
Mais quel casse-couille, quoi. Tout à l'heure, il lui manquait un demi-HP. Et là, maintenant, je vais galérer pendant une demi-heure. Évidemment, c'est toujours comme ça que ça se passe. Abruti, abruti. Non, j'ai roulé. Ma vie, ma vie. Eh ben putain! Capuche de noble sancte chair, robe de noble, bracelet de noble, les pantalons de noble. Ah oui, j'avais la poutre. Celle de l'apôtre, non? Les nobles sont d'anciens apôtres qui ont assimilé une physiologie non humaine. En ce sens, ils ne sont pas si différents du creuset formé primordial de l'arbre monde. Ah, renforce l'incantation de noble présence. Je m'en fous. Du coup. Dans l'autre sens. Pas de son. Je crois qu'il n'y en avait qu'un seul par contre.
rien faire. Et... Grâce, merci. Normalement, il y a rien. La dernière fois, sur la tour de Godric, il y avait rien. Enfin, il y avait juste de quoi. Là. Marque maudite de mort. Héritage de l'astrologue. Ça va renforcer la foi peut-être. Là. Marque maudite gravée dans la chair abandonnée de Rani, princesse de la Lune. En forme de demi-rond et souvent comparé à la silhouette d'un centipède. Cette marque maudite fut gravée à l'instant où périt le premier demi-dieu et aurait dû avoir la forme d'un dieu se combat en même temps que la marque maudite. Un des Rani vit sa chair mourir tandis que le prince de la mort ne connaît. Et le talisman. Ah, l'intelligence, pas la foi. À la foutre! Ok, du coup on peut se casser ici. Du coup, est-ce que Rani nous reparle quand on va au lac? C'est ça qui nous manquait. Continue le dialogue avec Rani. Pas du tout. Bon, alors dans le... Merde, c'est où? En bas. Estelle. Non. Faire ça, après on va revoir, retourner voir Renala. On peut voir le coffre. Bah non, c'est obligatoirement le coffre. Je peux l'ouvrir maintenant. Oh yeah. Bon. J'ai avancé. Mais pas tant que ça. C'est lui. Ah oui, je vois où c'est. On va voir, c'est lui. Il va me dire des trucs. Heureux, Senpai!
que la douche était réparatrice. Oh. Oh, salut, Sylvis. Tu n'es plus très vivant. Père le signal de Sylvie. Ok, on va aller voir la marchande. Et sous de ça, ça... Oh, tu peux lui voler ses sorts. Ok. Erolina, la servante de l'augure des doigts. L'esprit d'une servante de l'augure des doigts qui ne croisa jamais la route du sang qu'elle devait guider. Elle emploie des incantations curatives et des pots d'eau bénite, mais elle n'a pas l'âme d'une guerrière. Elle ne sert pas d'une grande utilité au combat. Eh ? Ah mais attends, ça utilise quoi ? Ça utilise des éclats de lumière stellaire. Ok, j'en ai 8, je peux prendre les deux. Pantin d'Homjar. Esprit d'un homme qui désirait rejoindre les entrailles de Vivgar, spécialiste du lancer de peau et les gens en tout genre. Un jour, le guerrier Jar tempéra les ardeurs de cet anonyme. Vous n'êtes pas encore prêt à rejoindre les preux qui reposent en moi. Donc vous devez vous appliquer. Surpassez-vous, je finirai par venir vous. De toute façon, je sais pas à quoi me servent mes éclats de lumière stellaire, donc voilà. Ou qui c'est qui l'a tué ? Revigorante. Oh, je suis pas retourné le voir. Ben, moi, je suis coincé, hein. Donc, Rani, elle me parle plus. Et j'ai fait la tour de Caria. Donc, j'ai trouvé la truc maudite. Merde. Ça, la marque, la morsure, la truc maudite. Marque maudite de la mort. Et je suis retourné dans Lane Cell pour parler à Rani, mais elle me parle plus. Oh, il y a un objet là, mais lol. Ah ben voilà pourquoi je l'ai jamais eu cet objet. Je suis très mauvais. Mais je pense qu'il s'est fait tuer parce que par un Néphili, on a essayé de l'empoisonner. Peut-être que c'est elle qui l'a tué. Masque lupin noir. Oui, d'un assassin qui a accepté le rôle de bras droit de Rani la sorcière, la ressemblance est frappante. Ouais. Et du coup, j'ai pas retrouvé Rani. Alors, attends, je vais reparler à Iji. Il est où Blade là-dedans ? Enfin, il le prononce pas comme ça, mais moi je le prononce comme ça. J'arrive jamais à retenir comment ça se prononce. Du coup, je le prononce comme je le lis. Well, last war. Lady Rani, along the dark path. Now, lady, I pray that. En fait, ici je peux parler à Rani. Et ici je peux plus lui parler, j'ai plus l'option. Donc, il n'y a rien entre les deux quasiment. C'est juste un couloir avec des basilisques. Donc, je sais pas du tout. Et je peux toujours pas ouvrir le coffre à côté de Rinala. Hein. Je vais bien passer par là, mais ça changera absolument rien. Et les gars.
Ah, c'est nouveau lui. Salut. Ombre punaise. Ah, mais c'est lui que je dois tuer. Thou art the last. Tell the two fingers that Rani the witch cometh. C'est Blade? C'est Blade, non? Ouais, pourquoi je le trouvais plus? Et je pense que c'est une erreur de le tuer, hein. Non? Tant pis, hein, maintenant qu'on est là. Hein. Je crois que j'ai bien fait d'esquiver ça. Mais il tape fort, hein. Genre, mais non, mais te soigne pas, bâtard. Qui fait ça? Est-ce que je me soigne, moi? Ok, 43 000 runes de perdu, c'est pas grave, mais pour la quête de Rani, on doit le tuer, mais il est où le vrai? Moi j'aurais bien aimé lui parler avant, parce que la dernière fois que je l'ai croisé, c'était au château de... Non, voilà. Château de Rabanne. Il picole, Blade. Il picote. Ah oui, il picote. J'ai compris. J'ai vu, il picole. J'ai dit quoi? Et t'es obligé de le tuer alors, Senpai? Parce que j'arrive plus à le retrouver, moi, sur mon... c'était par là. Ah, il me semble qu'il était là. Mais en fait, il était là, mais il a disparu. Donc, ouais, tant pis, hein, on va s'en occuper. Hein. Éviter la petite zone. Et... Ok. Alors, j'étais pas prêt, maintenant je suis. Mais je sais pas s'il y a moyen d'empêcher ça en fait. Il fait vraiment très mal. C'est du tout chouette, hein. On va essayer de s'équiper un peu, enfin j'ai pas besoin de mon armure champignon là. Essayer de prendre un truc qui soit un peu plus tanky. Qu'est-ce que je prenais? On peut avoir un moine nocturnien.
Et c'est ça. Ouais, noble Chanteclair. J'ai déjà fini, bonne soirée à toi, courage à très vite. Merci Senpai, merci d'être passé. Et puis bonne soirée à toi aussi, à très bientôt. Et bisous, bisous. Voilà. Je suis pas buff, mais c'est pas grave. De toute façon, on va certainement remourir. Non, on va récupérer les runes par contre. Merci. C'est tellement mal. Mais j'ai mon bouclier. Tellement mal. Le retour du caméléon chelou. Salut Kat. Comment vas-tu? Ouais. Ça va pas être évident, je pense. Moi. Wow, on va se calmer tout de suite. Alors. Bah écoute, ça va, hein. Ça va. J'ai encore un peu mal à la gorge, mais globalement, non. Un coup de trop. Non, mais te remets pas toute ta vie. Aïe 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 aïe, non, c'est la descente. C'est mort. Tu prends un hit, c'est mort. Arrête de crier, je crie pas. Mais enfin, qui crie? C'est un mensonge.
Bon, faut qu'il soit que 3, non, que 2, pardon. Ça, ça va être compliqué. Voilà. On va essayer de s'équiper contre les armes enchantes. Pour l'instant, on charge moyenne. Deux gardiens. Un peu trop lourd, je pense. Du coup, j'ai quoi? Capuchon de précepteur. Est-ce que l'armure de précepteur, ça fait des trucs? Je viens de récupérer en plus l'armure. Ah, on est beau comme ça. On va être plus tanky, je sais pas, mais je pense même que non. Alors, on va récupérer nos ruines d'abord. Tu m'as pas vu? Le backstab gratos. Il est mignon le backstab gratos. C'est pas vrai, j'ai menti. Pourquoi je perds la vie? De la merde. Non, j'aurais pas dû faire ça. Je perds de la vie. Aïe. Non. Non. Je ne sais pas pourquoi je perds de la vie. Je pense que ces coups ils me font tellement mal. Je sais pas s'ils m'empoisonnent pas ou bah, c'est bizarre. Non, reviens. Augmente l'esprit mais réduit l'endurance. Non. Alors déjà on va virer ça. On va mettre le bandeau de champion, tiens. Il est où?
On peut le tuer avec son masque. On va mettre son masque pour le tuer. Elle est où ma truc de champion? Monte l'esprit, pas des trucs qui augmentent. J'ai pas, j'avais un bandeau de champion normalement, est-ce qu'il est où? Merde alors! Voilà, prendre un truc. Aucune idée non plus. Ben ouais, ben moi non plus, non. De toute façon, il me touche shot donc Et toi alors, comment ça va du coup? Ça se passe bien au boulot? Vraiment pas moyen de vous backstabber. Ah, il m'a... J'avais esquivé ses chopes à chaque fois. Je suis mort. Et il m'a un peu... J'ai pas roulé pour esquiver sa chope. Un peu fatigué. Vivement les vacances vendredi pour que je me repose encore moins. Et que j'ai plus la pression du taf. T'étais en vacances il y a un mois, non? En vrai, c'est peut-être les grandes vacances. Hop, on va peut-être se calmer. En vacances combien de temps Merde. Là j'avais pris une semaine fin mai et là j'en ai pris une en juillet et une autre en août. Ok. Tu préfères avoir plusieurs semaines réparties comme ça, pas avoir des grandes vacances Chope là. Est-ce qu'il est trop tôt? Je sens qu'il va être casse-couille ce boss. Enfin ce boss. Même pas un boss.
Essayer de faire ça. Ah, tu te soignes déjà. Bon. Mais c'est chaud. En fait, c'est dès qu'il me touche, je perds de la vie. Non. Allez. Il manque un hit, hein. Ou deux. Beautifully fought. My thanks. It was more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe and E.G. I love them. Les du palais perdu. Là qu'il me fallait. Là. Et ouvrant le coffre trésor des princesses de Caria. La rumeur veut qu'il se trouve dans la grande bibliothèque de Rayal Caria aux côtés de Rinala. Ok. On va y aller. Jeu. Le jeu a freeze. Ouais, ça faisait longtemps, tiens. Ah ouais, le jeu n'a pas freeze, le jeu a crash. Bien.
Bon. Oui, lors de la session, blablabla. Ouais, juste que j'ai pas perdu mes runes et que j'ai toujours la clé. Ça sera bien. J'ai mes runes. Et Jack, parfait. On va retourner là où je voulais aller. Moi, aller ouvrir ce coffre. Merci beaucoup. Vous avez utilisé votre clé du palais perdu. Anneau de la lune noire. C'est pas un anneau, c'est un objet clé. Et on est là. Anneau serment glacial de la princesse de la lune Rani. J'entends une lune grise, symbole d'un serment glacial que la princesse de la lune Rani peut faire à son compte. Rani est une ancienne, son corps pourrait donc prendre votre territoire, seigneur. L'avertissement est gravé à l'intérieur. Qui vous conseillez, jamais cet anneau ne doit quitter ce lieu. Au-delà de la nuit, la solitude n'appartient qu'à moi. Ok. Et donc maintenant, on peut retourner en dessous ici et ouvrir la porte. Est-ce qu'on peut parler à Rani? Non, on peut plus lui parler. Et ici. Non, c'est fini, on lui parle plus, la quête est finie. Ok. Du bon, hein. Elle se finit où cette carte? Elle se finit pas? Ok, donc. Non, c'est où? Oui, donc c'est juste devant ici. Donc ça a automatiquement enlevé, pardon. Je vais faire ça, pardon. Hop, puis. Père. Elle est infinie la carte. Là, c'est le sous-sol. Là, c'est que le sous-sol. Et encore, tu vois, ici, on voit qu'il y a un petit bout de carte qu'on peut explorer. Mais je sais, j'ai pas trouvé comment y aller. Donc, il y a encore une zone quelque part ici à faire. Voilà. Et là, tu vois, t'as un chemin. Tu vois, on peut facilement voir qu'il y a encore toute une zone, toute la zone avec le brouillard gris là. C'est encore de la carte. Voilà. Et là, moi, je suis à peu près dans cette zone-là. Faut que je termine cette zone ici. Il va me permettre, en fait, ici, je suis bloqué par une porte qui va me permettre d'ouvrir la porte et pour continuer. Il faut que je continue à refaire ce morceau-là pour avancer. Voilà. Et au début, le jeu te fait croire que la carte, c'est ça. Ensuite, il te dit, oh non, en fait, la carte, c'est ça. Ensuite, il te dit, oh non, en fait, la carte, c'est ça. Et ensuite, il te dit, oh non, la carte, en fait, c'est encore plus grand. Ok. 68 000, on va peut-être se débarrasser de ces runes. Il m'en faut combien? 10 000, je pense, à peu près. 80 542, exactement. Il manque 12 000. J'ai une rune à 12 000. 12 500. On va utiliser une, voilà. On va éviter de se balader avec des runes qui ne servent à rien. On va avancer. On va voir ce qui nous attend de toute façon. Et puis après, moi, je vais m'arrêter là. Il y a 23 h. Demain, le réveil sonne à 5 h. Même si j'ai fait une big bro sieste l'après-midi, ça risque de piquer quand même un petit peu. Et là, on remonte.
On remonte très haut. Hein. Belle lunaire. Jamais été là. J'étais là ou pas? J'ai rien du tout. De grâce déjà ici. Non, j'ai jamais été ici. Jamais été ici. Ok. Ok. Donc ça, je savais que c'était un puits qu'on pouvait explorer. Et ici, on va pouvoir explorer plein de choses, notamment ce truc-là. Je pense que ça doit être une geôle éternelle. On va pouvoir explorer ce truc-là. Et je ne sais pas quoi. Voilà. Il y a plein de choses, en fait. Pas pu faire ici, on va pouvoir faire après. Juste avancer un petit peu. Voir ce qui nous attend. Il y a des sortes de ruines un peu partout. Igil Marika ici. Ruine des Selenia. Ok. Ça arrive. Vous avez fini Stranger Things, ça y est. C'est bien, hein. C'était long. Oui, mais c'était bien. C'était pas long pour rien. C'était pas long et ennuyant ou long et chiant. C'est long mais bien. Non? Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui mais... Bah oui mais long. J'ai tué des écureuils pour la peine, voilà. Et je pensais que c'était la dernière saison. Bah non. Non non, ils ont déjà teasé la 5 mais ce sera pour 2024. Et la 5 sera la dernière par contre. Ah, c'est le dragon. On avait affronté un dragon devant les tours de Rani. Ici. On l'avait pas tué parce qu'il s'était échappé. Enfin, il s'était envolé, c'était scripté. Et donc on le retrouve là, je suis sûr que c'est lui. Bon, on va pas l'affronter maintenant. Hein. De toute façon, le stream va se terminer. Ok. Parce qu'il nous... Voilà ce qui nous attend. Très bien. Il nous attend plein de choses. Plein de choses pour la prochaine fois. Franchement, l'épisode aurait pu être coupé en deux. Plus faire peut-être 1h30 sans que ça change rien. Ouais, bah je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Honnêtement. Déjà, pourquoi avoir séparé en deux parties je sais pas. Mais les épisodes sont de plus en plus longs. C'est-à-dire que le premier épisode, je crois, il fait 1h, 1h10. Après, ça fait 1h20. Ensuite, ça fait 1h30. Et le dernier, il fait 2h30. Je fais putain. C'est là à te dire. Maintenant, dodo, bisous, bisous. Bonne nuit. De toute façon, je vais arrêter là. Hop. On va aller voir s'il y a des gens à raid. Pour de la PS5, Big Bro, Big Bro. À demain pour de la PS5, Mike Kuro.
Alors, oh putain, y a plein de gens. Plein de monde. Ah, ton chat, faut arranger ça, je te dirai comment. Ton chat, faut arranger ça? C'est-à-dire? J'ai de l'avoir sur toutes les scènes, mais en dehors du cadre. De quoi tu parles? Je comprends pas. Ah! Oui! Oui! D'ailleurs, oui, d'ailleurs, pourquoi ça s'affiche pas? J'ai jamais remarqué, ça s'affichait pas. Je pense que c'est depuis longtemps que c'est comme ça. Mais avant, ça s'affichait. Bah si, ça s'affiche là. T'as un 4 pour le chat, mais le message s'efface, c'est pas logique. Oui, c'est ça. Pourquoi? Mais avant, ça restait plus longtemps que ça. C'est dû à quoi? Bref, on arrangera ça. Il a fini. Hop. Des bisous, gros. Oui, c'est. J'arrive plus à parler. Je vais vous envoyer chez Zert qui fait du Elden Ring aussi. Voilà. Fais les bisous, souhaite une bonne soirée. Merci tout le monde d'être passé. À très bientôt. Ciao, ciao.